Mais vraiment, faut le faire si c'est un besoin profond et une vraie énergie intérieure. Une intuition. Ouais, vraiment, c'est ça. Ouais. Tu sais, quand on a cette sensation d'être enfin à sa place, c'est waouh. C'est magique, quoi. Et le Maroc, ça offre ça. Mais je pense parce qu'il y a, une énergie dans ce pays qui est assez exceptionnelle par rapport à ça. Il faut montrer aussi qu'on a des revenus, qu'on ne vient pas ici pour faire la manche. Bon, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on attend en France, donc c'est normal que ça soit comme ça ici aussi. Donc on doit montrer qu'on vient ici pour de bonnes raisons, quoi. Mmh. Donc ça, c'est bien. Et puis on fait ses preuves. Donc on a la carte de résident 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et il faut faire ses preuves. Il ne faut pas être trop rigide. Il faut un peu de souplesse quand même. Ouais. Parce que la montre française et la montre marocaine, elle n'a pas les mêmes aiguilles. Ouais. Tu vois? Et ça, quand on est trop rigide, ça peut être compliqué. Il faut vraiment avoir de la souplesse ou en tout cas être prêt à accepter ça. Tu sais, quand on est à sa bonne place. C'est fluide. Et vraiment, avec mon mari, on le dit souvent, quand, à partir du moment où on a pris la décision, tout s'est bien passé. Mmh. Et tout s'est passé à merveille et d'une façon très fluide. C'est comme s'il y avait une étoile qui nous guidait et qui nous emmenait vers les bonnes personnes, au bon endroit. Et ça, c'est chouette. Voilà. Bienvenue pour cette nouvelle interview. Je suis en ce moment à Essaouira et je suis parti retrouver Sabine qui pratique la numérologie. Elle a décidé de quitter la France avec son mari et de partir vivre dans la région d'Essaouira. On va découvrir son parcours de vie, son histoire. Et si comme Sabine, tu as envie de t'installer au Maroc, j'ai créé une formation gratuite pour toi. C'est le premier lien dans la description. Tu recevras durant 7 jours un conseil par jour directement dans tes emails. Donc, salut Sabine. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir chez toi à Essaouira. Ravi. On va commencer par le début, ta première fois au Maroc. Voilà. Ça remonte en 2008. Première fois au Maroc, je n'avais jamais mis les pieds dans ce pays, donc je ne savais pas du tout ce que j'allais y trouver, à part que j'étais attirée par le soleil. Et il est vrai que quand c'était pour un rallye automobile, un rallye 4x4, et je me suis retrouvée dans le désert avec ma coéquipière, où on était perdus sur une croûte de sable et de terre pendant des kilomètres et des kilomètres. Et là, tu sais, c'est difficile d'expliquer. Il y a des situations où on n'a pas de mots pour le faire. Et là, j'ai ressenti dans ce désert comme si ça passait par moi, tu vois. Comme dans un dessin animé où tu as un personnage qui reçoit la foudre qu'il traverse. C'est exactement ça. C'est très impressionnant. Mais vraiment comme si l'univers rentrait dans mon corps, quoi, vraiment. Et j'ai senti du haut de ma tête et traversé tout le corps. Et moi qui ne suis pas quelqu'un qui montre mes émotions très facilement, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est comme si je me nettoyais des épreuves du passé. Comme s'il se passait quelque chose, un nettoyage. C'est difficile d'expliquer. Et là, j'ai ressenti comme une renaissance, vraiment. Parce que je me suis longtemps demandé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai senti? Pourquoi j'ai eu cette émotion qui est venue? Et vraiment, le mot qui était le plus juste pour moi, c'était comme une deuxième venue au monde. Voilà. Et je me suis longtemps posé la question parce que le retour a été très très compliqué quand je suis rentrée en France. Et là, j'ai senti que ma vie serait complètement différente. Ce ne sera plus du tout comme avant, que j'allais plus avoir le même moteur, en tout cas. Et ça me rappelle quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. On sent hein, qu'il y a quelque chose de transformé, on ne sait pas s'expliquer pourquoi. J'ai cherché après, parce que je me suis dit, c'est pas possible, faut que si j'avais pas eu ma fille avec qui j'étais, on était toutes les deux à la maison, et si j'avais pas eu ma fille, je serais repartie, j'aurais tout largué et je serais partie au Maroc dans la foulée, quoi. Et là, je pouvais pas. Maman responsable, je pouvais pas faire ce genre de choses, avoir ce comportement. Donc, je me suis dit, ça sera pour plus tard, mais je savais que je viendrais vivre ici. C'était une évidence pour moi. Vraiment une évidence, parce que j'ai trouvé ce que je ne trouvais pas en France, dans mon pays. J'ai vraiment trouvé autre chose. Et du coup, alors, je suis. Je te disais aussi pour finir avec ça que j'ai cherché pourquoi le Maroc. Je suis même allée voir en hypnose régressive. J'ai trouvé une histoire de vie ici passée. Hein, donc j'ai compris pourquoi. Et vraiment, ça m'a parlé. Je savais que c'était juste. Et au Maroc, j'ai trouvé ce qui me manquait en France, une générosité spontané, le sourire, les gens ont toujours le sourire, c'est incroyable vraiment, et une espèce d'authenticité
C'est-à-dire que moi, je trouve qu'ici, même vis-à-vis de moi, hein, dans mon comportement, on n'a pas besoin d'être quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir un titre sur une carte de visite, on n'a pas, faut juste être soi. Et je trouve ça ici que je ne trouvais pas du tout en France, où on est toujours essayé de rentrer dans un rôle, essayer de ressembler aux autres, d'être ce que les autres attendent de nous, de réussir, d'avoir une grosse voiture, une grosse maison, et de partir en vacances au ski. Tu vois, une espèce de course à toujours plus. Ici, il faut juste être. Et je trouve que la nuance, elle est là pour moi. Ici, je suis moi. Je triche pas, je fais pas semblant, j'essaye pas de ressembler à qui que ce soit. Mmh. Je suis juste moi. Et ça soulage, ça donne une légèreté que j'avais pas du tout en France, mmh. Où il y avait beaucoup de stress, beaucoup de choses qui ne me convenaient pas du tout. Et dans les rapports humains, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus faciles ici. Tu sais, depuis que je suis arrivée, j'ai été très très surprise, c'est qu'on ne me demande jamais ce que je fais ici. Les seules personnes qui me demandent, c'est les Européens que je rencontre. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, parce qu'ils se rendent bien compte que je n'ai pas l'âge de la retraite. Quoique la chirurgie, des fois, on peut tricher. Mais les Marocains ne me demandent jamais. Des gens que je rencontre depuis des mois ici, que je vois des commerçants, ils ne me demandent jamais ce que je fais. C'est intéressant quand même. En France, la première chose qu'on te demande, c'est qu'est-ce que vous faites pour savoir où situer les gens, hein? Ce que j'ai remarqué aussi, les Marocains ont la capacité, rien qu'en te regardant, de te décrypter, de savoir qui tu es vraiment. C'est ça. Et tu vois encore, et il y a encore quelqu'un qui me l'a dit il y a 2-3 jours, je suis en train de chercher où c'était, chez le coiffeur. Et souvent on me dit ça, même les berbères que j'ai rencontrés dans le désert, les chameliers et tout, me disent, mais toi t'es comme nous, t'es de notre famille, tu vois. Et ils sentent ça, cette relation qu'on a au pays, cette authenticité qu'on a avec eux. Et quand on est, quand on est d'égal à égal avec eux, parce que moi j'ai remarqué aussi des personnes ici qui sont pas toujours très, très respectueux. Hein, on en voit aussi. Ils se sentent supérieurs. Voilà, c'est tout à fait ça. Je ne voulais pas utiliser le mot, mais voilà, pour être délicate. Mais... Post-colonialisme. Exactement, c'est plutôt ça. Et ça me dérange beaucoup. Mm. Et moi, je ne suis pas du tout, je ne me comporte pas du tout comme ça avec eux, et ils le sentent. Et du coup, ça donne des relations qui sont vraiment très, très chouettes. Ouais. Et on a des sacrées parties de rigolade, surtout quand j'essaye de parler en darija. Ils adorent mon accent. Donc c'est chouette. T'as appris un peu ? J'essaie, c'est pas simple parce que les mots courants, la politesse, quelques nombres, etc., ça va. Mais au-delà, ça commence à être compliqué pour moi. Le problème, c'est qu'il faudrait que je prenne des cours, il faut que je prenne le temps. On va peut-être faire ça là, dans les mois à venir, ça fait partie des projets. J'en parle toujours dans mes vidéos, il y a la formation Blabla d'Ariza. Tu peux apprendre sur internet, en ligne. D'accord. Bon, il faut que je regarde ça là. Ouais. Tu vas me donner les coordonnées. Parce que je pense que c'est important de partager ça aussi. Qu'ils sentent qu'on est vraiment investi et qu'on essaye de... Mmh. Bon, ici c'est facile, hein. La plupart parlent français ou en tout cas se débrouillent. Après on fait des gestes, on prend un papier, on écrit. Enfin voilà, on arrive toujours à se débrouiller. Mmh. Mais je pense que c'est à nous de faire l'effort aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Je pense qu'on est dans ce pays et c'est à nous de faire l'effort. Ça t'ouvre aussi à un autre Maroc. Tout à fait. Qui est perceptible qu'à travers la langue. Oui. Et pour moi aussi, ce qui est important ici, et ce que j'aime, c'est de vivre dehors. Et ça fait partie de la liberté aussi, pas être enfermé à l'intérieur. Quand on est au soleil toute l'année, parce qu'ici il y a quand même du soleil toute l'année, quoi. Ouais. Quand on a 5 jours de pluie ici, on est content, c'est une bonne année, quoi. C'est, la lumière. Voilà. La lumière et qu'on vit dehors. Donc quand il fait beau, les gens sont dehors et les gens se parlent. Mm. Il y a de la vie ici, jour et nuit, il y a de la vie, quoi. C'est vraiment quand il pleut, qu'il fait froid, mais tout le monde s'enferme dans les maisons. Et ça fait partie aussi du cadre qui est important pour moi. Vraiment. Si on reprend le fil de l'histoire, donc il y a ce rallye dans le désert, puis. On peut dire que tu as vécu une révélation. Complètement. Et je revenais tous les ans, une fois, deux fois, en vacances, en week-end. Je ne pouvais plus m'en passer, quoi. J'ai attendu que ça mûrisse, vraiment. Et plus ça mûrissait, plus je me rendais compte que je n'étais plus à ma place en France, vraiment. Tu étais où en France ? Alors, j'étais à Dijon, en Bourgogne. Je suis originaire de Reims. Donc, j'ai fait que des régions de vin. Ici, ce n'est plus vraiment le cas. Et c'est vrai que quand...
Quand j'étais en France, je ne pensais qu'à une chose, c'était venir ici. Et ça a pris combien de temps pour... Écoute, 2008, et puis je suis arrivée ici en 2019, début 2019, donc ça a mis 11 petites années, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ça a été long, mais bon, faut mûrir. Et puis après, moi, j'étais pas toute seule non plus, donc il a fallu que les choses se mettent en place. Faut pas faire n'importe quoi. Tu peux nous parler donc, de ce processus entre OK, je veux vivre au Maroc, mais qu'est-ce que je mets en place concrètement pour que ça se réalise? Ça a été un long chemin et déjà il a fallu que je continue d'accompagner ma fille dans son éducation et sa scolarité, etc. Mm-hmm. Ce qui est tout à fait normal, c'était ça ma priorité. Une fois qu'elle a pu voler de ses propres ailes, bon, ben, c'est à la période où j'ai rencontré mon mari. Donc du coup, il a fallu que je l'amène avec moi dans ce projet. Donc ça a été encore une autre étape. Hein, est-ce qu'il va aimer le Maroc? Qui n'était pas la plus facile, ouais. Vraiment. Et du coup, je suis passée par cette deuxième étape-là. Et puis, quand j'ai réussi à ce qu'il adhère à ce projet réellement et très honnêtement, parce que ne suffit pas de dire oui pour faire plaisir à l'autre, c'est de sentir que c'est vraiment sincère et voulu. Et puis, ben, voilà, dans cette deuxième partie, il a fallu qu'on attende que lui soit prêt à terminer sa carrière professionnelle, qu'il demande une retraite anticipée, parce que c'était la possibilité qu'il avait, et faire le choix du moment. Il a fallu qu'on fasse des calculs financiers, parce que ça fait partie, ça fait partie du jeu, tout ça, pour que lui, financièrement, puisse subvenir à nos besoins dans un premier temps, en attendant que moi, je lance ma nouvelle activité et qu'on soit tranquille, quoi. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, moi, j'ai pu, en me disant, en quittant la France, c'était un choix personnel, et de me dire, ça y est, cette fois, j'ai 51 ans et je vais faire tout ce que j'aime, tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Voilà. Donc j'ai commencé, je faisais pas mal de choses déjà, mais à titre personnel, j'avais un diplôme de coach et je savais pas quoi en faire parce que ça me parlait pas vraiment. Je voulais comprendre comment fonctionnait l'humain, mais être coach, ça m'intéressait pas. Et j'ai compris après pourquoi. À cause de mon 5, c'était trop routinier. Suivre quelqu'un pendant des mois ou des années, c'était pas mon truc. Et moi, j'ai besoin de faire des choses qui soient plus brèves. De la thérapie brève. Et quand j'ai compris ce qu'était la numérologie, je me suis plongée dedans et c'est vraiment l'outil qui me correspond. Et ce que je veux donner à l'autre, surtout. Est-ce que c'est comme le Maroc, tu as eu une révélation avec la numérologie? Pareil, la même chose. Il s'est passé la même chose. Voilà. Beaucoup d'émotions aussi quand j'ai fait la formation, parce que comme on sert de cobaye, ben voilà, on voit tout de suite, on est dedans et ça nous parle à nous. Mmh. Et c'est vrai que ça a été une vraie révélation, beaucoup d'émotions. Et j'ai enfin compris pourquoi je ressentais certaines choses, pourquoi j'avais fait deux burn-out, pourquoi j'avais fait un ulcère à l'estomac, pourquoi. Parce que quand on force les choses et qu'on se force à rentrer dans des cases qui ne nous correspondent pas, ça fait souffrir. Et quand le mental prend le dessus sur ce qu'on est vraiment, voilà, on se fait souffrir. Et tout ce processus m'a aidé à comprendre ça. On va revenir sur ton activité avec les chiffres. Oui. Avant ça, donc, vous avez préparé votre départ au Maroc. On a tout vendu, maison, voiture, meubles, souvenirs. Avant de vous installer. Avant. Ok. Sans retour possible. C'est presque ça. Tu pourrais être sûr. T'as pas eu peur que ça te plaise pas? Non, parce que je connaissais bien le Maroc et j'avais pas de doute. Mm-hmm. Tu sais, il y a l'intuition qui est là et moi, je suis assez intuitive. J'ose m'écouter aujourd'hui par rapport à cette intuition, et des voyages j'en avais fait à l'appel, donc tu connaissais bien, voilà les grandes villes. Après, il y a eu le choix de la ville aussi qui a été important à faire. Voilà, comment ça s'est passé? Il y a une énergie dans chaque lieu, donc cette ville, elle a une énergie toute particulière. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Essaouira, on est en énergie 9, hein, quand on décortique le nom de la ville, où c'est le bien-être, l'ésotérisme, tout tourné vers l'universel, l'humain, les sciences humaines, l'étranger, les voyages, et c'est tout à fait ça, cette ville, quoi. On est dans cette énergie, et ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Parle-nous de Essaouira et comment tu vis cette région du Maroc.
C'est un bon compromis pour nous parce qu'on voulait la mer, on voulait être au bord de la mer, tant qu'à choisir, autant faire les choix, autant aller là où on veut. Quand on recommence d'une page blanche, autant faire les choix dès le départ. Donc c'était la mer qui est importante parce que c'est une énergie particulière, hein, l'océan, d'autant plus ici. Et puis une espèce, c'est une petite ville, ça reste une petite ville. Oui. Donc les gens se connaissent, il n'y a pas une circulation de folie, donc voilà, on n'est pas dans le brouhaha et c'est ça, pas Marrakech. C'est ça, et ça c'est important aussi, hein, le brouhaha, la pollution, le voilà. Ici le climat est vraiment toute l'année très agréable, vraiment. Quel très très agréable climat. C'est très tempéré, hein, il n'y a pas beaucoup de différence, bon, sauf en ce moment parce qu'on a très chaud, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est pas Marrakech, quoi, où on passe du froid au très 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 chaud. Là, c'est plus tempéré. Et alors là, nous, on est à la campagne, donc il y a moins de vent qu'au bord de la mer. Mais ça reste très 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 agréable. Et moi, ce lieu, c'est aussi un compromis parce que je rêvais d'aller vivre dans le désert, plutôt dans le sud-est. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est loin de tout, donc t'en sais quelque chose. Donc il faut faire aussi le choix, il faut penser à ses enfants. Nous, on a deux enfants, nos enfants, la famille, les amis. Donc aller dans le désert, c'est quand même plus compliqué d'accès. Et l'activité, c'est peut-être pas très facile non plus. Quoique, avec ce que je fais, ça n'aurait pas été gênant. Mais bon, voilà, on a fait ce choix, pas trop loin d'un aéroport non plus. Là, on est à 10 km. Et effectivement, aussi, pas trop loin du désert. Donc, je peux y aller facilement aussi. C'est ça qui est bien au Maroc aussi. Tu peux passer de la montagne à la ville, au désert. C'est ça. Une station de ski. On est à 3 heures de l'Atlas. Hein. Bon, le désert, c'est un petit peu plus loin, il y a un peu plus de route, mais voilà, on est proche de tout, en fin de compte. Je trouvais que c'était assez central. Bon, Marrakech est bien central aussi, mais le climat est plus difficile. C'est vraiment très difficile. Et ici, très agréable. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. Il y a une espèce de sérénité ici, puis on vit au milieu de la nature. Il y a les troupeaux de chèvres, de moutons autour de nous, il y a les forêts d'araignées partout. Enfin, on est vraiment dans la nature. Tu le sens dans l'énergie des gens. Vraiment. Oui, d'une ville à l'autre, il n'y a pas, au niveau humain, c'est très différent. Donc, vous avez tout vendu, vous avez gardé des petites choses. Après, comment ça s'est passé concrètement? L'administratif, c'est ça. Ouais, tout, et le déménagement. Le déménagement, c'est pas compliqué. Il y a un container qui part et les souvenirs arrivent ici, et la vaisselle, un peu de vaisselle, un peu de vêtements qu'on a emmenés, le container arrive. C'est pas le plus compliqué. Hein. Le plus compliqué, c'est des fois à l'arrivée, mais bon, nous, on n'a pas eu de casse, on n'a pas eu. Voilà, ça s'est vraiment très très bien passé. Jusqu'à Essaouira direct. Ouais, très bien. On a eu des bons déménageurs. Et après, problème. Vous arrivez ici. Et après, on rachète des meubles, on reconstruit autrement, dans un cadre différent. Donc, on peut pas. C'est complètement une autre énergie aussi de la déco. Voilà, tout ça, c'est différent. Et vous êtes allé à l'hôtel, vous avez loué un appartement? Non. On est arrivé. Bon, comme moi, j'ai travaillé à El Jadida un petit peu avant que mon mari vienne s'installer définitivement. On est venu ici dans un riad quelques jours en vacances chez des amis. Enfin, en vacances entre guillemets. On est venu une semaine et là, il nous a mis en contact avec deux agents immobiliers qui nous ont aidés à visiter quelques maisons. On est venu une semaine et en 6 jours, on a trouvé cette maison. On en a visité 5. On n'en a pas visité énormément. Mais vite, on a eu le coup de cœur pour cette maison qui correspondait vraiment à ce qu'on souhaitait. On a eu beaucoup de chance. C'était quoi vos critères? Nos critères, c'était d'être à la campagne, voilà, dans un endroit pas trop de monde autour, donc du calme. Et puis, moi, je voulais de la pierre. J'aime beaucoup la pierre. Elle est magnifique. Elle est belle. Hein ouais. Et puis, bon, la piscine, parce qu'on est dans un pays où il fait beau, donc on a envie aussi de profiter de ça, ce qu'on n'a pas eu avant. Donc ça, c'est important aussi. Mm-hmm. Et puis, dans une région où il y a une région des Essaouira où il y a de l'eau, parce qu'il n'y en a pas partout. Hein, il y a des endroits où ça manque d'eau, donc on voulait aussi avoir, même si on y fait attention, faut pas gaspiller. Hein, et là aussi au Maroc, on prend conscience de ça, qu'on n'a pas en Europe. On prend conscience que l'eau est précieuse, parce qu'on a un château d'eau, quand il n'y en a plus dedans, donc on fait attention. Quand on prend sa douche, on coupe l'eau, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on fait la vaisselle, on récupère l'eau pour arroser les plantes. Enfin, voilà, ça fait partie, c'est une autre façon de vivre.
Et puis voilà, ça s'est fait très facilement. Tu sais, quand on est à sa bonne place. C'est fluide. Et vraiment, avec mon mari, on le dit souvent, à partir du moment où on a pris la décision, tout s'est bien passé. Mmh. Et tout s'est passé à merveille et d'une façon très fluide. C'est comme s'il y avait une étoile qui nous guidait et qui nous emmenait vers les bonnes personnes, au bon endroit. Et ça, c'est chouette. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu avais peur ou des inquiétudes tout ce qui est assurance ou des choses comme ça, les soins? Non, oh ben pas du tout, mais bien au contraire. Alors tu sais, ça me fait beaucoup rire quand les gens me disent « mais vous n'avez pas peur quand vous avez vieilli, et puis si vous avez un problème de santé ?» Tu sais, ici, quand tu as un problème de santé, tu téléphones à un spécialiste, même pas un généraliste, un spécialiste, le matin, l'après-midi ou le lendemain, tu as un rendez-vous. Ouais. Voilà. Ce qui est impossible en France, et même maintenant un généraliste ne veut plus de nouveaux patients. Donc, tu vois, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, je ne te dis pas, là, Essaouira, si on avait un gros problème, une opération importante à avoir, des choses comme ça, bien sûr, on ira à Marrakech ou à Agadir. Hein. Mais pour le quotidien, même, il y a des très bons spécialistes ici. Donc, ça, c'est pas du tout un problème, quoi. Donc, et je dirais même qu'on a un accès aux soins qui est plus facile, même au niveau financier, vraiment, sur certains points. Quand tu vois les tarifs, par exemple, des dentistes en France, bien sûr, hein, ils ont des obligations, des charges différentes. Ouais. Et ici, ben, c'est plus facile de prendre soin de soi ici qu'en France, vraiment. Mmh. Vraiment. Donc tout ça, non, c'est un faux débat. C'est un faux débat, le soin, vraiment, c'est un faux débat. Ouais. Puis après, tu sais, on a aussi des assurances, des mutuelles, donc tout ça, c'est voilà, il suffit de bien s'organiser, de bien, voilà, c'est pas compliqué. C'est la préparation. Hein. C'est pas compliqué. Ah oui, on avait tout préparé en amont. Ouais. Ouais. Une super assurance, même rapatriement au cas où, voilà, mais ça se prépare, c'est comme tout. Quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent vraiment tout quitter, venir ici, quand tu es en couple? Oser, c'est une belle aventure à deux, vraiment oser, c'est chouette, vraiment. Et de le faire à deux, c'est une chance. C'est un nouveau départ, c'est un peu comme avoir un enfant. Tu sais, quand on construit à deux une famille, c'est la même chose. Pour moi, je ressens la même chose par rapport à ça. Mais c'est aussi facile de le faire seul. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui l'ont fait seul. Moi, j'aurais été seule, je l'aurais fait aussi toute seule. C'est pas un problème. Mais à deux, c'est encore plus beau, quoi. Est-ce que tu as déjà lié des amitiés avec d'autres personnes ici, des Marocains, des étrangers? Oui, un peu les deux, vraiment. Parce que pour moi, c'est important de ne pas fréquenter que des Européens. Ouais. C'est important. Parce qu'on n'est pas là pour ça, sinon il fallait rester en France aussi. Il faut se mélanger avec la culture, une culture différente. Moi, pour moi, c'est important de savoir comment les gens vivent. Mm-hmm. J'ai travaillé à El Jadida dans un bureau où il y avait pas loin de 30 personnes. Ça m'a appris beaucoup sur la religion, les fêtes religieuses ici. J'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup ri avec la famille, le poids de la famille. Où nous, on se coupe quand même de ça en France petit à petit. Ici, c'est impressionnant, c'est vraiment très très impressionnant. Et on comprend. Et en même temps, c'est ça qui est beau à voir, parce qu'ici, il y a quand même la culture de l'ancien, la personne âgée. On la protège, on la respecte. Qui que ce soit, même quand on ne le connaît pas, on voit les jeunes Marocains. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un jeune en vélo dans les rues de la ville arriver en vélo sans faire attention. Une dame âgée qui traversait, il a failli lui foncer dedans, il a fait un écart au dernier moment. Il s'est arrêté, il est venu vers elle, il lui a pris la tête, il l'a embrassée sur le front. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Tellement beau, tellement sincère, tellement respectueux. En France, j'aurais peut-être pas vu ça. Peut-être des excuses et encore, mais voilà. Possible. Alors, je veux pas non plus dénigrer mon pays, mais ça, c'est ce que je trouve ici qui fait du bien, vraiment beaucoup de bien. Ça rassure sur l'humain. Ouais. Alors attention, tout n'est pas facile ici. Alors après, je te parle avec ma vision d'européenne. Les Marocains, pour eux, c'est pas toujours facile. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils n'ont pas toujours de retraite parce qu'ils n'ont pas été déclarés toute leur carrière. Enfin, le soin, c'est plus difficile pour eux parce que ça a un coût. Enfin, voilà. Je te parle avec ma vision d'européenne. Attention, hein, faut remettre les choses dans le contexte, hein, pas en tant que Marocaine. Voilà, avec des petits moyens, ça c'est plus compliqué. Et encore aujourd'hui, il y a un accès à l'éducation qui est un peu plus facile. Ça n'a pas toujours été le cas non plus, donc il faut aussi ne pas oublier ça, quoi. Ça évolue, c'est un pays qui évolue très très vite.
Vraiment, moi je le vois depuis 2008, la première fois que j'ai mis les pieds dans ce pays, il y a une évolution qui est très très rapide. Très 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 rapide. Mmh. Même faire attention, il ne faut pas que ça évolue trop vite non plus, parce qu'on va peut-être perdre cette authenticité. Pardon. Et même les Marocains eux-mêmes le disent, que ça commence à bouger, que la famille c'est moins, ça commence un peu à s'estomper, tout ça. Donc il va falloir faire attention à conserver les choses essentielles. Ça va très vite vers la modernité. Et ouais. Et nous, ce qu'on aime au Maroc en tant qu'étrangers, c'est justement le côté authentique, c'est ça. Campagne. C'est ça. Et les choses vraies. Voilà. Comme... Moi, j'aime partir sur la piste pour récupérer la route avec ma voiture, voir les gens du quartier autour sur leur âne qui vont au souk faire leurs courses et qui me font signe. Et voilà, il y a une espèce de mélange. Moi, j'arrive avec ma voiture, ils sont sur leur âne et pourtant, on se connaît, on s'apprécie, on se respecte. Ça, je trouve ça magnifique, quoi. Mmh. Ouais. Tu m'as dit que tu allais quand même au souk. Ah oui, moi, j'adore. Comment ça se passe? J'essaye de parler en marocain, c'est pas toujours évident, et ça se passe très bien, et ils aiment beaucoup nous voir au souk. C'est une façon aussi d'aller vers eux. C'est vraiment une façon de partager un moment important avec eux. Moi, de me baisser par terre pour ramasser mes carottes, et je trouve ça chouette, quoi. Ouais. Et du coup, on arrive à discuter, à partager un moment, à une blague, ou voilà, c'est... C'est très blagueur. Très. C'est vraiment des gens qui ont la joie de vivre et moi c'est ce que j'aime aussi, j'ai besoin de ça dans ma vie au quotidien. De rire, de légèreté, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas des gens sérieux, mais moi j'ai besoin de cette légèreté et cette joie. Ils sont toujours, tu regardes, quand tu traverses la ville, tu regardes les gens qui se parlent, ils rient, t'as l'impression que c'est quand même des grands enfants. Je trouve qu'au Maroc on retrouve ça chez les adultes qui gardent leur esprit enfant et naïf, je trouve souvent. Et j'ai trouvé ça chez les personnes âgées marocaines. Il y a cet enfant qui est très visible. Oui. Et c'est toujours... Je le sens aussi, moi, vraiment. Ouais. Ça fait plaisir. Oui, vraiment. Ils savent rire d'eux-mêmes. J'ai déjà vu des hommes se disputer sur un trottoir, mais très fort, en me disant « Waouh, ça va finir à coup de poing, quoi, vraiment. » Et à un moment, il y en a un des deux qui cède, il embrasse l'autre, ils se prennent dans... Et là, d'un seul coup, ça rit, ça... Et c'est amusant, ce comportement et cet état d'esprit, ouais. Parce qu'on exprime ses émotions, enfin... C'est ça. Ils arrivent à l'exprimer plus facilement que... Que nous, il ne faut pas. Ouais. Faut pas. On nous a appris ça, on nous a mis dans des cases où c'est pas bien, pas faire de bruit, il faut ressembler aux autres, il ne faut pas montrer, il ne faut pas... Voilà, ouais. Ouais, faut... C'est particulier... L'éducation aujourd'hui et notre façon de vivre en France, je trouve, ça manque de légèreté. Et là, je trouve ça ici. La seule chose que je pourrais dire par rapport au Maroc, c'est que là, aujourd'hui, dans mon activité professionnelle, je travaille beaucoup l'individuel, mais beaucoup avec l'Europe, même beaucoup avec la France. Il m'arrive quelquefois d'aller sur d'autres pays, mais bon, c'est un peu plus marginal. Beaucoup avec la France et même ici, je travaille beaucoup avec les Français. Pour l'instant, ouais. J'ai quelques Marocains que j'ai déjà reçus et qui sont ouverts à ça. J'aimerais beaucoup travailler avec les Marocains, en tout cas davantage, parce que moi j'ai aussi à apprendre d'eux. Et justement avec une autre vision, donc des choses de l'éducation, des blessures, des mémoires familiales, etc. Et j'aimerais beaucoup m'investir dans peut-être pouvoir donner aussi au niveau éducatif. Toi, je te donne un exemple. Par exemple, au village d'à côté, on a une université. Ouais. Et dans cette université, j'aurais aimé, par exemple, faire des interventions où je pourrais expliquer aux jeunes qu'il faut respecter qui on est, ses besoins et par rapport à sa personnalité. Mm-hmm. C'est pas toujours évident parce que tu vois, par exemple, les filles, elles ont accès à l'éducation. C'est quand même relativement récent et les études supérieures. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, tu vois. Et pourquoi pas aller à une période charnière de l'éducation où là, ils doivent choisir une orientation. Mmh. Être un peu comme une conseillère d'orientation, si tu veux, mais pas comme à l'ancienne. Mais là, aller vraiment décortiquer la personnalité des jeunes. En tout cas, une partie, de leur dire, voilà, de quoi tu as envie. Tu as envie de ça ou de ça. Eh bien, écoute, on va aller voir ensemble ce qui est le plus juste pour toi par rapport à ta personnalité. Ça, j'aimerais beaucoup m'investir dans ce genre de mission.
C'est possible. Tu vois. Ah ouais, j'aimerais beaucoup accompagner des jeunes et leur donner cette possibilité de comprendre qui ils sont et par rapport au projet qu'ils envisagent. Hein. Et parle-nous alors de ton activité actuelle, sans aller trop dans les détails. Bien sûr, on va faire... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, ce que je propose, c'est des consultations en numérologie, qui pour moi, j'apparente ça à la thérapie brève, parce que vraiment, en 2 heures, il se passe des choses extraordinaires, et dans les semaines et les mois à venir, donc c'est ça qui est important, il y a des grosses prises de conscience, des prises de décision, des choix que les gens font suite à ça qui sont incroyables, et moi qui me... parce que je suis une vraie accompagnante dans l'âme, et ça, c'est ce que je ne pouvais pas forcément faire avant. Et c'est quoi la numérologie? Alors la numérologie, c'est une science, c'est pas une boule de cristal du tout, hein. Je sors pas ma boule de cristal, c'est que je prends l'identité des personnes, donc la date de naissance, les prénoms, le nom de famille, et avec ça, ça donne toute une batterie de nombres qui correspondent à ton énergie, hein, sur des points différents, donc tes dons. Ton objectif de vie, on appelle ça aussi dans les dons le chemin de vie qu'on voit partout, voilà, c'est un peu ça. Tes besoins affectifs, la façon dont tu agis dans la vie, comment tu te comportes pour mettre en place ce que tu veux réaliser, hein, quel outil tu utilises, qui tu es vraiment, voilà, voilà. Et ce qui te motive, hein, ton objectif de vie, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin avec de la joie et non pas la boule au ventre? Voilà, et ça c'est magnifique quand on arrive à être en phase avec soi. Et la numérologie, ce qu'elle propose, c'est accepter qui on est vraiment. Parce que ce que j'ai changé avec toi tout à l'heure, c'est qu'on est élevé d'une certaine façon dans un cadre, dans une famille, à l'école, le pays, la religion. Tout ça fait qu'on endosse des vestes, on essaye de rentrer dans des cases, voilà, parce qu'on nous a dit que c'était bien pour nous. On nous formate, on accepte de se laisser formater, on essaye nous-mêmes de rentrer dans des vestes quelquefois qui sont trop étroites pour nous, jusqu'au moment où le corps parle. Hein. Donc ça passe par déclencher des maladies, ça passe par des burn-out, ça passe par des dépressions, ça passe par une sensation de ne pas être à sa place, de mal-être au quotidien qui dure et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que juste on n'est pas qui on est vraiment, quoi. On n'est pas dans l'être. Et la numérologie, elle révèle tout ça à la personne si elle avait des doutes, tu vois. Et quelquefois j'ai des gens où quand je leur dis mais voilà, ça c'est votre don naturel, et ils me disent waouh, mais depuis que je suis petite je sens ça, et je me suis interdit, ou on m'a dit que c'était pas bien de faire ça, ou voilà. Et il y a des gens du coup qui osent après. Pour moi, la numérologie, c'est bien se connaître pour oser, hein, être vraiment. Et ça évite de... Voilà, on est beaucoup dans la culpabilité, tu sais, les autres nous renvoient ça. C'est « Oh, ce que tu fais, c'est pas bien, tu devrais faire comme ça. » Et voilà, montrer du doigt, et voilà, on aime beaucoup ça. Hein. Et nous-mêmes, on se culpabilise, hein. C'est quand même... on aime se faire du mal. Hein. Et grâce à ça, vraiment, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, c'est enlever cette culpabilité et de se dire « Waouh, ok, je suis comme ça, allez, maintenant j'y vais, j'accepte, quoi. » Et je ne peux pas faire contre. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que le regard des autres n'était pas ce qui me ressemblait vraiment. Et voilà. Non, parce que moi, je ne le vivais pas de l'intérieur. Et s'autoriser à être ce que l'on est vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, vraiment. Et la numérologie, elle permet ça, et de façon très rapide. On peut passer par tout un tas d'autres thérapies, aller voir un psy, aller faire tout un tas d'autres démarches, et moi, ça a été vraiment pour moi une révélation, et j'ai voulu l'offrir aux autres, dans l'accompagnement, voilà. Ouais, ouais. Donc 1 heure, 2 heures. 2 heures de consultation, ouais. Minimum. Quelquefois, c'est un peu plus, quand il y a des sujets qui sont vraiment très délicats, parce qu'il y a des sujets très très délicats, de grosses souffrances, de gros traumas, et on va les regarder aussi, parce que c'est écrit dans le thème. C'est incroyable comme il y a une déprécision. Et tu sais, quand les gens n'arrivent pas à vivre ce qu'ils sont réellement, c'est aussi que souvent il y a des mémoires familiales dessus. On a hérité de choses de nos ancêtres qui nous bloquent, et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à aller sur son chemin. Et quelquefois, c'est juste parce qu'on a un grand-père qui a subi des choses, qui a eu un comportement. Je dis un grand-père, ça peut être n'importe qui d'autre, mais voilà, c'est une image. Ce qui fait que ben nous, on a hérité de ça, et c'est difficile à vivre, donc on libère. On peut libérer, il y a des choses très simples à faire pour libérer ça. Voilà, donc, ça c'est chouette.
Et quand on arrive à le libérer, on libère aussi les enfants, nos enfants et les générations à venir. Donc c'est encore plus motivant. Et là tu travailles d'ici donc à distance? Je travaille de mon bureau, donc j'ai des consultations voilà, sur place, hein, des gens qui viennent me voir. Ouais. Et j'ai aussi, c'est la magie d'internet et moi c'est ce que je retiens de positif de ce qu'on vient vivre ces deux dernières années là. Ouais. C'est que du coup tout le monde s'est habitué aux visioconférences. C'est devenu naturel avec le travail à distance, avec pas mal de choses. Bah, les gens qui ont été séparés se sont tous habitués à faire des apéros en visio, à faire des... Voilà, donc je trouve que c'est très chouette. Et moi, ça me permet de travailler. Tu vois, j'ai déjà donné des consultations au Québec. Je donne des consultations en France tout le temps et voilà, et au Maroc ici, ou même à distance, parce que quand j'ai une consultation à Marrakech, les gens ne viennent pas faire 6 heures de route aller-retour et donc on le fait en visio également. Et vraiment, ce qui se passe en visio est aussi fort qu'en présentiel, vraiment. Hein, voilà. Et moi, je peux te dire qu'au niveau émotionnel, même en visio, et les gens sont chez eux, sont bien. Donc, c'est pareil, c'est intéressant pour eux. Donc, je mettrai le lien de ton site internet. Merci. Pour te contacter. Très bien. Ouais, j'ai un site internet où il y a pas mal d'explications aussi sur ce que je fais. Mmh. Alors, je peux accompagner aussi, quelquefois, j'accompagne quand c'est en présentiel, des soins énergétiques à la maison aussi que je fais. Donc, il peut débloquer et aller chercher l'émotionnel aussi. Et c'est intéressant, c'est complémentaire. Quand il faut que ce soit en présentiel, quoi. Alors, je fais aussi des soins à distance, mais c'est vrai qu'en présentiel, c'est bien de le faire. Et ici, tu te sens vraiment à ta place maintenant avec ce travail, ah, oui. Cette maison, cette nouvelle vie. C'est ça, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, je viens d'avoir 54 ans et enfin, je suis complètement à ma place dans ce que je fais, dans l'accompagnement. Et ça, je l'ai découvert aussi en numérologie, mon côté super accompagnant. Tu sais, c'est vraiment ça, vraiment, vraiment. Et l'intuition que j'ai, aujourd'hui, je la mets au service des autres. Et voilà. Est-ce que tu as fait le thème du Maroc ? Ou est-ce qu'on peut faire le thème d'un pays ? Je pourrais faire ça, oui, on peut faire le thème d'un pays. Je me suis arrêtée pour l'instant à la ville, j'en ai regardé 2-3 autres, mais vraiment j'ai regardé Essaouira très très près. Mais il faudrait que j'aie le temps de le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai passé beaucoup de temps à créer mon site internet, qui n'était pas forcément le plus simple à faire. Ça peut être des idées de vidéos aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi développer, tu vois, tu me demandais tout à l'heure par rapport à ça. Je pense que j'ai vécu, comme je te disais, des deux burn-out et j'aimerais beaucoup pouvoir proposer aux gens qui sont dans la même situation ce que moi j'aurais aimé trouver à ce moment-là. C'est-à-dire leur proposer de venez une semaine et... je vous remets dans un cadre où vous allez reprendre contact avec vous-même. Hein. Donc, reprendre contact avec son corps, parce que quand on est dans ces situations, on se coupe vraiment de son corps. Hein, ça c'est déjà la première des choses à remettre en place. Et puis, à se refaire confiance. Hein. Donc, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et là, j'aimerais proposer des séminaires, des stages dans ce cadre-là. Hein. Mais bon, j'attends que ce soit les réseaux aériens soient un peu plus fluides. Pour l'instant, c'est encore un petit peu, un peu juste. Les gens sont encore dans le... Alors, il faut que moi, je sois prête aussi. Ouais. Mais là, ça revient. Donc, je vais pouvoir regarder ça de très près. Et comme j'ai du 5, comme toi, Stéphane, on a besoin de faire plusieurs choses. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir plusieurs parties où j'utilise mes compétences. Et qu'est-ce qui te plaît le plus au Maroc ? Pour moi, ce que j'ai réussi à trouver ici, c'est ma liberté. Ouais. De vivre à l'extérieur, c'était un sentiment de ne pas avoir de mur autour de toi. Tu vois ce que je veux dire ? De ne pas avoir l'impression d'être un oiseau en cage, d'être enfermé dans un bureau et voilà. Donc cette sensation de liberté globale, de liberté d'être moi, de liberté de parler à tout le monde, de liberté, enfin je trouve que c'est ce que j'ai trouvé ici. Une grande liberté. Ouais. Et tes proches et ta famille, comment ils ont vécu cette décision de partir ? La seule personne à qui j'ai demandé l'autorisation, c'est à ma fille, qui a aujourd'hui 29 ans. Et quand je lui ai dit, voilà, j'aimerais aujourd'hui, ça y est, bon, tu sais, je l'ai élevée avec ça. Elle savait très bien qu'un jour, sa mère, ça arriverait et qu'elle prendrait le large. Et quand elle est partie voler de ses propres ailes, je lui ai dit, écoute, un jour, je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, c'est le moment, je crois que je suis prête. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais elle m'a dit, mais maman, vas-y, vis ta vie.
Donc, elle m'a donné son autorisation. C'est la seule personne qui comptait. Et c'est normal, quoi. Voilà. Elle vient ici. Oui. Alors là, c'est vrai que ces derniers temps, un peu moins. Donc, ces deux dernières années, ça a été plus compliqué. Mais oui, ma fille aime beaucoup le Maroc en plus. Oui, elle aime beaucoup. Et elle aime cette énergie aussi des gens. Et c'est sa façon d'être. C'est son tempérament. Donc, elle aime beaucoup. Et c'est vrai qu'après, tu sais, ma famille, mes amis, ils me connaissent. Donc, ils savent que voilà, je suis quelqu'un qui a changé plusieurs fois de métier, plusieurs fois de ville où j'ai exercé, plusieurs fois de... Voilà. Donc, ils ont cette habitude de me voir partir sur des chemins un peu nouveaux. Et ils ne savent pas quoi s'attendre du jour au lendemain. Donc, voilà, après, les gens, ils savent... Ils savent comme tu qui je suis, et du coup ils n'ont pas du tout été étonnés, quoi. Puis tu sais, comme je l'ai préparé sur plusieurs années, j'en parlais beaucoup, donc voilà, ça a surpris personne. Mais la seule personne à qui j'ai demandé l'autorisation, c'est mes filles. Puis ce qui est bien, c'est que ça leur permet aussi de venir ici, de découvrir ton Maroc. Bien sûr. Et tu sais, c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'amis à qui j'en ai parlé pendant très très longtemps, et je pense que quelquefois je les ai peut-être un peu saoulés avec ça, tu vois. Ouais. Quand ça revient, un jour je partirai. Alors il y avait ceux qui comprenaient pas, qui ont essayé de me décourager. Et il y a ceux qui me disaient, oui, vas-y, mais je ne comprends pas trop pourquoi, quoi. Et il y a des amis qui sont venus depuis qu'on habite ici, qui sont venus, et en repartant, le plus beau cadeau qu'ils m'aient fait, c'est de me dire, ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce que tu étais venu faire ici. Voilà. C'est toi, tu es à ta place, tu es bien là. Ouais. Et j'ai compris ce que tu es venu chercher, et vraiment tu as eu raison. Surtout, je te dis, ces deux dernières années, ce qu'on vient de traverser, ça a été beaucoup plus facile ici. Il n'y a pas cette peur, il n'y a pas cette angoisse, on ne l'a pas vécu de la même façon au Maroc qu'en France. Hein, ce qui s'est passé là, au niveau de l'épidémie, ça a été beaucoup plus facile ici. Et ça n'a pas laissé de traces aussi, aussi profonde, aussi difficile et aussi cruelle dans les relations humaines. Ça n'a pas abîmé tout ça ici. Ça a été difficile au niveau du travail ici, mais comme il y a une solidarité, comme il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, bon, il faut que ça s'arrête quand même, parce que voilà, ça devient compliqué au niveau financier. Mais pour le travail, les Marocains, ils n'ont pas eu d'aide, donc voilà, c'est plus compliqué. Mais au niveau relationnel, je pense que la distanciation sociale n'est pas possible. Il n'y en a pas eu ici. Hein. Nous, on a continué à embrasser tout le monde, et les masques, ils étaient sur la tête ou autour du cou. Mais tu vois, il n'y a pas eu cette barrière de relation. Il n'y a pas eu. Et ça, moi, c'est ce que j'ai apprécié, parce que ça me correspond. Et comme je ne suis pas dans la peur, ça ne m'a pas du tout gênée, bien au contraire. Ici, on n'a presque pas mis de masque, nous, pendant 2 ans. Pour la police. Même pas, on allait au commissariat, personne ne l'avait, okay. Et puis voilà, je pense qu'il y a un autre état d'esprit par rapport à ça. Tu sais, un jour j'en ai parlé à ma comptable, quand je suis revenue de France, je suis allée la voir, et puis je lui disais à quel point c'était différent, parce que je suis retournée en France quelques mois avant de déménager complètement la deuxième fois. Et ma comptable, je lui dis, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer, où il n'y a pas cette peur, où les gens continuent à s'embrasser dans la rue. Et elle me dit, ah non, mais c'est, elle dit, nous, c'est notre culture. Et elle me dit, tu crois pourquoi on dit Inch'Allah? Elle dit, en venant au monde, notre Dieu, il a tout programmé. Donc qu'on ait peur ou pas, ça ne change rien, c'est programmé. Et tu vois, j'aime cet état d'esprit. Ça ne sert à rien d'avoir peur, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais je veux dire, il y a un esprit de liberté par rapport à ça aussi, tu vois. On parle du Mektoub. C'est ça, le Mektoub. C'est ça. C'est exactement. Exactement. Et il y a ça qui est présent ici. Et moi, comme ça me correspond, que je n'ai pas peur, je suis plutôt conquérante et... J'ai sauté en parachute, j'ai fait plein de choses comme ça, je ne suis pas une peureuse. Donc, c'est pas un virus, ça ne me fait pas peur, quoi. Voilà, non plus. Et donc là, ça me correspondait bien. Je l'ai beaucoup mieux vécu. Et est-ce qu'il y a un type de personnalité qui peut mieux s'adapter au Maroc, d'après toi, ou tout le monde peut venir ici et... Alors, il ne faut pas être trop rigide. Il faut un peu de souplesse quand même. Ouais. Parce que la montre française et la montre marocaine, elle n'a pas les mêmes aiguilles. Ouais. Tu vois? Et ça, quand on est trop rigide, ça peut être compliqué. Il faut vraiment avoir de la souplesse, ou en tout cas être prêt à accepter ça. Vraiment, c'est important. Et puis, il faut aimer les gens différents.
faut aimer les gens différents. Il faut accepter ça. Aimer les gens, déjà ? Déjà, aimer les gens. C'est clair que sans ça, ça ne marche pas. Ouais. Si on n'est pas tourné vers l'autre, ça ne fonctionne pas. Mmh. Vraiment, moi, j'en suis certaine. Et moi, je le vois en numérologie. Parce que, pour revenir à ça, toutes les personnes que j'ai en numérologie qui sont expatriées ici ont souvent la même particularité dans leur thème. Mmh. Ils sont tous tournés vers l'autre, vers le voyage, vers les étrangers. Et ça, je le retrouve. C'est intéressant, hein ? C'est intéressant. Mmh. Donc là, c'est inscrit, c'est vraiment écrit. Ouais, c'est une ouverture vers l'autre. Vraiment, c'est indispensable. Sinon, c'est pas. Je pense que c'est très compliqué. Niveau administratif, tu as dû créer une société. J'ai commencé par créer une SARL à El Jadida, ouais. Où là, il y a eu des grands moments de solitude. Alors, d'un certain côté, c'est beaucoup plus facile qu'en France. Ça peut être aussi rapide. C'est simplifié, il faut investir moins d'argent. Enfin, il y a des choses beaucoup plus simples quand on a les bonnes informations. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai commencé avec une personne qui pourtant était un avocat, mais qui ne m'a pas donné les bonnes informations. Il a fallu que je recommence. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, donc je vais aller voir des gens. Je suis allée voir dans les bureaux, l'équivalent de la CCI en France. Voilà, je suis allée dans des bureaux où j'ai quelqu'un qui a été adorable, qui m'a aidée. Brahim, qui a été vraiment quelqu'un d'extraordinaire pour moi, mm-hmm. avec beaucoup de bienveillance et très pédagogue. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et à partir du moment où on a les bonnes informations, ça va hyper vite. Il faut apprendre la légalisation. Ça, c'est pareil. On ne comprend pas comment ça fonctionne. On n'est pas habitué à ça. Dès qu'il y a un papier administratif à envoyer, il faut aller le faire légaliser dans un bureau où on fait la queue, où on demande un timbre et un tampon. C'est un moment aussi... mais après, ça devient un folklore. Moi, j'aimais ça à un moment. C'est que quand il y a un papier à légaliser, maintenant, ça me... J'adore. C'est un moment de rencontre dans, dans la société, tu vois. Je trouve que c'est intéressant. C'est encore une étape différente. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, donc il faut l'accepter. Ouais. Vraiment, il y a... Bon, après, il faut demander sa carte de résident, là où il faut montrer aussi qu'on a des revenus, qu'on ne vient pas ici pour faire la manche. Bon, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on attend en France, donc c'est normal que ça soit comme ça ici aussi. Donc on doit montrer qu'on vient ici pour de bonnes raisons, quoi. Mmh. Donc ça, c'est bien. Et puis, on fait ses preuves. Donc, on a la carte de résident 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et il faut faire ses preuves. Tu as déjà fait le processus ou... Moi, j'en suis à 5 ans, là. J'ai ma carte de 5 ans, quand même, attention. Félicitations. Oui, j'en suis à la 3e, là. Okay. Donc là, c'est bien. Oui, je suis contente. Alors, il y a aussi le permis de conduire. Ça, c'est une autre étape, le permis de conduire, parce qu'il faut transformer notre permis français en permis marocain. Comme c'est très, très loin à l'obtenir, tous les 2 mois, il faut aller mettre un tampon. Donc là, avec mon mari, on est en train de voir pour voir les choses autrement et repasser notre permis ici. Pourquoi tu ne veux pas garder ton permis ? Parce que, alors, on est allé voir à l'assurance. Ouais. Si on a un gros pépin sur la route, ouais. on n'est pas pris en charge si on n'a pas le permis marocain. Okay. Et ça, les Français ne le savent pas. Okay. Donc, ils gardent leur permis français, sauf que si un jour il y a un gros problème. Bonne information. Voilà, c'est une information pour tous ceux qui ne le savent pas. Allez voir à votre assurance et vraiment, l'assurance vous explique que s'il y a un gros litige, ils ne vous prennent pas en charge si vous n'avez pas le permis marocain. Mmh. Donc la question, elle ne se pose pas. Donc on va essayer de voir un peu comment ça se passe quand on passe un permis sur un parking de supermarché, entre deux plots, ouais. faire un créneau entre deux plots. Si ça fait partie du folklore aussi, voilà, il faut accepter. Il faut accepter ça, voilà. Mmh. Je pense qu'il faut lâcher beaucoup de choses sur notre façon de voir le monde en tant qu'Européen. Et s'il faut lâcher plein de choses. Ouais. Ouais. Ça demande beaucoup d'humilité. Ouais, tout le monde n'y arrive pas, hein. Il y en a après 1 an ou 2 qui remballent et ça voilà. Pas s'adapter. Mmh, Tu sais, moi ça fait 3 ans aujourd'hui et j'aurais beaucoup de mal à faire marche arrière s'il fallait. Mmh. Ça serait très compliqué pour moi. Ouais. J'ai beaucoup de mal à retourner en France aujourd'hui. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de mal. C'est presque un choc. Oui, c'est un choc. Okay. Oui, vraiment. Mmh. Et je me sens vraiment chez moi ici. C'est vraiment ma place, donc. Et je retourne en France, voilà, parce que on a besoin d'aller voir la famille, parce que c'est des amis, c'est normal, quoi. Mais
si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Alors si le fromage manque un peu, les bons vins, voilà, il y a deux, trois petites choses, mais on apprend à s'en passer. Il y a beaucoup de choses. Au début, on dit, ouais, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça. Puis on se rend compte que c'est pas vital. Il y a des choses bien plus importantes. Ouais. On apprend à s'en passer, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. Et tu as du bon vin marocain. On le découvre aussi, le vin marocain, mais il y en a du très bon aussi. Mm. Oui, c'est surprenant. J'ai visité les caves de Meknès. C'est intéressant aussi, hein. J'ai pas vu. T'as pas vu ça? Va voir, c'est très intéressant. Ouais. Ce que le Maroc m'apporte aussi, c'est que j'ai lâché prise sur plein de choses et je me surprends aujourd'hui de prendre le temps d'observer deux fourmis qui se battent pour une miette de pain, de regarder les oiseaux qui viennent manger les graines que je leur ai mis ou voilà. Tu prends le temps d'observer, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. On parlait de pleine présence aussi quand tu conduis. Non, mais c'est ça. Oui, de plein. Là, ça, la conduite. Mais moi, j'adore. Quand je rentre en France, je m'ennuie, quoi. J'aime vraiment rouler ici. Alors, bien sûr, il faut être prêt à ça. Il y a des gens qui ne supportent pas et qui ont peur. Parce qu'il faut quand même être vigilant et avoir de bonnes réactions. Surtout anticiper. Pour moi, conduire en France, c'est l'anticipation. Au Maroc. Qu'est-ce qui va pouvoir me faire celui qui arrive en face? Il y a beaucoup d'animaux aussi. Hein. Ouais. Donc les animaux qui traversent sur les routes, tu as des troupeaux de dromadaires de temps en temps, tu as les ânes, tu as les chiens, tu as voilà. Ça, il faut toujours être très 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 vigilant, pas rouler vite et voilà. Donc il faut anticiper ce que l'autre n'a pas anticipé. Exactement. Mais moi ça ne me gêne pas, j'aime ça. Donc voilà. Il y a un folklore aussi autour de la conduite, hein. Il y a tout un folklore. Hein. Moi, j'aime ça, ce côté, tout peut arriver, tu t'ennuies pas. C'est exactement ça. Oui, ça peut être dangereux, mais si tu as les bons réflexes, si tu es présent. Ben, ça a un côté fun aussi, hein. Ça a un côté comme ça, d'inattendu. Voilà. Donc, il faut être prêt à ça. Quoi. Des gens qui aiment leur vie pépère et routinière, je pense qu'ici, c'est pas trop ce qu'il faut venir chercher. Quoi. Et là, sur la chaîne, on a beaucoup de personnes de France, de Belgique, plein de pays qui veulent s'installer au Maroc. Quel conseil tu pourrais leur donner, toi qui as fait, qui est passé de l'autre côté? Oser. Si vous avez tout en vous qui correspond à ce qu'on vient de dire, à accepter, à lâcher prise, à aller vers l'autre, à aimer l'humain, oser quoi. Oser cette vie parce que c'est magnifique. Ça donne tellement, il nous donne tellement. Je trouve que c'est... faut pas avoir peur. Faut vraiment pas avoir peur. Alors tout le monde n'est pas capable de le faire, hein. Attention, hein, c'est pas d'un coup de baguette magique et ça se prépare. C'est un changement de vie, c'est un regard sur soi différent, c'est tout un tas de choses. Hein. Il faut être capable de le faire, l'introspection. Hein. Se remettre en question, hein, attention, hein, c'est une vraie remise en question. Hein. Tu sais, quand on a un job où on a une carte de visite, qu'on est reçu dans des grands restaurants, qu'on travaille avec des politiques, quand on a une vie sociale très riche, une reconnaissance, et tu vois ce que je veux dire? Et que là, on arrive ici, on est madame tout le monde, hein, c'est ça, c'est qu'on n'est plus un titre et on est madame tout le monde, et même d'ailleurs personne ne s'intéresse à ce que tu fais, c'est que là, tu reviens à l'essentiel et là, tu vois, t'es toi-même quoi, t'es pas une carte de visite. Et là, ça remet le clocher au centre du village, quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, ça fait du bien. Et donc, faut être prêt à ça, à lâcher tout ça aussi, tu vois. Le confort, la notoriété, alors c'est ça ou autre chose, hein, mais il faut être prêt à lâcher ça. C'est une attitude, un état d'esprit, c'est ça. Un état d'être qui change. Complètement. Et pour la préparation, quels sont les points importants? La préparation, c'est l'administratif. Il ne faut pas négliger ça. Ouais, vraiment. Même quand on part de France, il faut avoir réglé la sécurité sociale, les assurances, tout ça, il faut avoir regardé avant de partir. Et même il faut même au niveau des tarifs, tout ce qui les loyers ici, enfin voilà, le prix d'un déménagement, tout ça, ça se prévoit. Ça se fait pas comme ça, c'est pas comme déménager, changer de ville en France, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Et il faut pouvoir imaginer, pour ceux qui en ont le besoin, parce que moi, je n'ai jamais eu ce besoin-là, je reviens, je ne suis pas quelqu'un qui revient en arrière, une fois que c'est décidé, j'avance, mais il y a des gens qui ont besoin de se dire, bon,
On se met en sécurité et on fait ce qu'il faut pour pouvoir revenir au cas où. Faut penser à ça aussi pour les gens qui ont besoin de ça. Moi, c'est pas mon cas, mais nous, on a tout vendu, la maison, etc. Mais il y a des gens, ils ont besoin de garder un pied à terre, ils ont besoin de... Voilà. Donc ça, il faut pas le négliger non plus. Si c'est un besoin, il faut le respecter. Dans un premier temps, ça peut être bien de garder tes attaches dans ton pays. Tu viens quelques mois au Maroc. Oui. Tu vois, quand tu ça peut être des étapes, ça peut être des étapes, voilà, tout à fait. Après, c'est voilà, oui, tout à fait. Mais vraiment, faut le faire si c'est un besoin profond et une vraie énergie intérieure. Une intuition. Ouais, vraiment, c'est ça. Ouais. Tu sais, quand on a cette sensation d'être enfin à sa place, c'est waouh, c'est magique, quoi. Et le Maroc, ça offre ça. Mais je pense parce qu'il y a une énergie dans ce pays qui est assez exceptionnelle par rapport à ça. Puisqu'il y a énormément d'étrangers qui sont attirés et qui vivent ici. C'est pas par hasard. Ouais. C'est pas par hasard. Aussi, on est très respecté, on est bien accueilli, on est aidé, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autre sens. Non, mais c'est vrai. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais on est bien accueillis ici. C'est au niveau administratif, on a besoin. Et tu vois, ça fait partie aussi de ce que j'apprécie. Il nous est arrivé d'aller aux impôts, voir l'agence, le directeur d'agence. On y va, le bureau, il est ouvert, on toque, il nous prend, quoi. Il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous, de passer par un téléphone avec appuyer sur un, appuyer sur deux. Et vous rappellerez parce que les lignes sont encombrées et ça traîne. Ici, on va toquer au bureau, il nous accueille, quoi. Tu vois, c'est aussi Après, je pense qu'il y a une différence entre l'administratif à Essaouira et à Marrakech, tu vois. Ah, je sais pas, je ne l'ai pas vécu à Marrakech. Marrakech, ça sera beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Et plus fermé. Ah oui. Dès que tu vas dans une grande ville. Ah, bah ouais. C'est l'avantage d'être en province. Ici, ouais. Et Jadida aussi, j'ai connu comme ça une administration très ouverte et beaucoup d'aide et d'écoute. Oui. Donc ça dépend où on est, puis ça dépend de la personne en face de toi. Enfin, on fait des généralités, mais bien sûr, il y a toujours des gens qui sont différents, ou il y en a qui ne sont pas accueillants, mais très peu quand même. C'est rare, c'est vraiment rare. Ouais. Même les supermarchés, enfin, tu vois, la vie au quotidien, elle est simplifiée vraiment. Partout. Hein. Ah là là, c'est tellement magique. On a l'impression qu'on a enfin affaire à des humains en face de nous et plus des machines, quoi. Je te laisse terminer la conclusion, message du cœur, ce que tu veux partager à nos auditeurs. Ce que j'aimerais partager, c'est que la vie, c'est un long chemin, qu'elle n'est pas forcément longue. Ça passe très très vite. Et je pense que ce que j'ai compris au travers de ma route, des obstacles, des échecs, tout ce qui peut se passer dans une vie, des joies, des peines, c'est que vraiment, il faut s'autoriser. Il faut s'autoriser à être. C'est ce que j'essaye de partager avec mon métier aujourd'hui aux gens et leur donner, leur tendre cette perche, oser être. Voilà. Et c'est vraiment le message que je voudrais passer aujourd'hui. Oser être, oser vivre, oser être heureux, parce que quand on vient au monde pour vivre dans la joie, dans le bonheur, on ne vient pas pour souffrir. Et c'est un choix qu'on peut faire à un moment de sa vie. Et c'est pas par manque de courage, parce que tout le monde en a du courage, parce que de toute façon les épreuves font qu'on est obligé d'en avoir à certains moments de notre vie, donc tout le monde en a du courage. Mettre un enfant au monde, il faut du courage. En élever, il faut du courage. Se lever le matin, il faut du courage. Mais quand on est libre et à sa place, on n'a plus besoin de courage parce que c'est fluide. Ça existe et pas. On est dans la joie, donc le courage, on n'en a plus besoin, quoi. C'est naturel. Et quand on s'offre cette liberté, donc le message que j'ai à passer aujourd'hui, c'est offrir vous cette liberté d'être vraiment, ouais, quel que soit votre choix, osez être, même si c'est d'être maman avec 10 enfants, ben allez-y, quoi. Enfin voilà, chacun doit trouver son chemin, mais il faut, voilà, sortez du carcan dans lequel on vous a mis. C'est pour ça qu'on vient sur terre, pour incarner qui on est vraiment. On est là pour vivre la joie et la gaieté, quoi, pas pour souffrir. Et voilà, on peut le faire. On peut éviter des maladies, on peut éviter plein de choses. C'est possible. C'est possible, faites-le. On en est les témoins, le témoignage tous les deux. Vraiment, c'est ça, on a osé à un moment, quoi.
avec des parcours de vie différents. Et c'est ça qui est bien aussi ici, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens comme nous, qui ont des parcours de vie et qui ont osé à un moment basculer. C'est beau. La vie est belle. Merci pour ce partage. Merci à toi, Stéphane. Merci beaucoup. Donc je mets tous les liens vers toi dans la description. Okay. Et à bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.